semaine ça c'est nouvelle sous nouvelle nouvelle aller nouvelle venir nouvelle tomber nouvelle lever son semaine qui riche en informations nouvelles. Hier Ariel Henry et équipe li finalement et un peu plus tard va expliquer nous pour qui ça me dit finalement révoquer Jean-Tel Joseph comme directeur général ANAP qui c'est Agence Nationale des Airs Protégés. Faut que moi dis nous guerrier du seul Adiani Oximable Saint-Fleur. Moi t'ai gagné information depuis lundi et jusqu'à hier matin encore moi gagné un camarade qui partageait information avec moi. M'a voulu courir bay information parce que m'pas de gagne chance confronté sous moi yo. Non souci pour me pas voyer dehors. De garder pour moi diffuser information dans espace là même de gagner li et bien chose dit chose faite bien on arrêté souvelé guerrier du seul qui prend en conseil des ministres et gouvernement qui lui-même estimé li urgent pour prendre des dispositions qui sont capables de faciliter bien rapide ça ou les restructurations à ANAP avec bon fonctionnement à ANAP et bien yo nommé en commission dans tête institution ça dans article 3 arrêté à qui non seulement prend conseil des ministres lundi dernier, mais qui publie hier mardi, dans le journal officiel PIA, qui c'est Le Moniteur. Commission ça, il y a une commission pour les évaluer ensemble activité à NAPIO, pour assurer gestion provisoire institution, hein, et puis proposer par le conseil des ministres toutes mesures qui sont capables de faciliter la restructuration ak bon fonctionnement organisme si la. Commission an gen la dan li, Franz Daniel Pierre, kap joué rôle coordonnateur, Monsieur Prénor Koudo, qui lui-même se membre, Inspecteur général Jean-Lionel Tricil, qui se membre, Lieutenant Verbi, B. Jean des forces armées d'Haïti qui c'est membre monsieur Jean Nesli Eli qui lui-même c'est membre si nous doit quoi article 4 document ça article 5 document parti comme ça hier il est du seul commission a gagné un délai un mois cap commencer ou bien qui commencer à partir de date publication arrêtée qui c'est hier mardi 23 janvier 2024 là et chaque semaine pendant mois ça guerrier du seul commission a bien pour l'adresser by premier ministre là un rapport détaillé sous état avancement travail yo et yo préciser dans arrêté ça guerrier du seul sous proposition ministre environnement yo capable prolonger souvle mission commission hein? Mais c'est conseil des ministres qui a décidé ça. N'a pas remarqué madame monsieur de l'auditoire madame monsieur au niveau internet là dans document officiel ça gouvernement parlait de ANAP. Maintenant, qui ça a naplayé? D'abord, nap di moun yo ANAP, bien sûr, pour si la ki pat forcément konnen yo, c'est sigla, yo définil kon sa,
c'est Agence nationale des aires protégées. Pour comprendre une institution comme ça, ou bien fonctionnement une institution comme ça, vous devez faire un coup d'œil sur le décret 12 octobre 2005, là, qui est même bien pour la gestion environnement et régulation, si vous voulez, gens citoyens et citoyennes doivent comporter pour capable gagner un développement durable. Pour comprendre l'institution Saadiani, Oximab Saint-Fleur, on a parlé de fonctionnement. Faut à fond coup d'œil dans arrêté 10 mai 2017 là, qui était fait de ANAP en direction générale autonome du ministère de l'Environnement. Conformément bien sûr à l'article 53. Décret sur ta parlé là, qui c'est décret 12 octobre 2005 là, concernant gestion environnement en d'un pays. Système national ou bien question air protégé, c'est déjà un service ouvert en d'un ministère environnement. Mais avec l'arrivée de l'ancien président Jovenel Moïse au pouvoir, eh bien, l'État est venu décider, Jovenel Moïse en particulier, fait de ANAP en direction générale autonome. Et premier directeur, il mettait dans la tête lui, c'est Jean-Tel Joseph, qui c'était ancien secrétaire d'État à la sécurité publique. En bref passage, il va pouvoir aider. Et depuis, on a parlé de 2017, c'est Jean-Tel Joseph qui est directeur général ANAP. Maintenant, si on peut regarder qui sa mission ANAP est dans différents documents officiels qui sont disponibles, je dis que ANAP a une provision pour assurer conservation et gestion efficace durable biodiversité sur tout le territoire national. Ça qui a un rapport à air protégé. Bien sûr, la tête collée avec collectivité territoriale, communauté locale avec l'autre partenaire. Toujours pour le bien-être de la population haïtienne. Direction générale air protégé doit mettre le travail et puis mobiliser toute salle gagnée comme ressource pour prendre toute disposition nécessaire pour capable renforcer structure de gestion unité air protégée. Là n'a parlé de air protégé, n'a parlé guerrier du sol, de question forêt, n'a parlé de question mine, n'a parlé tout de une série de espaces OK qui peut être dédié à des activités bien précise, n'a pas parlé tout de l'autre qui interdit pour mener de l'autre activité. Donc c'est ANAP qui gagne comme mission pour prendre toute disposition nécessaire pour protéger l'espace ça. Et si bon organisation non gouvernementale, si gagne une structure privée qui veut faire intervention dans un espace ça, faut que les résultats d'un protocole d'accord entre Mounzao qui souhaitait faire intervention hein, avec l'ANAP qui c'est l'Agence nationale des aires protégées. Mais gouvernement décidé, institution ça n'a pas allé là depuis quelque temps, l'a fait face à de graves problèmes de dysfonctionnement institutionnel. Quand il y a la question que vous avez posé pendant que je parle là, est-ce que le vrai problème du gouvernement, c'est ANAP? Moi-même, personnellement, je doute très fort. Objectif gouvernement,
l'elle parle de restructuration, hein, c'est par rapport à préoccupation qui gagne jodi a son corps qui dépend de ANAP qui est BESAP, brigade de la sécurité des aires protégées. Mais à aucun moment dans le document officiel, le gouvernement va aller de BESAP. Mm-hmm. Il y a une logique. Structure qui est cadre légal là, c'est pas BESAP. C'est ANAP. Mm-hmm. ANAP, c'est responsable direct, si vous voulez, de BESAP. BESAP. Autrement dit, BESAP n'a pas les aller sous tutelle ANAP, il dépend de ANAP. C'est ça, je voulais vous comprendre. Donc, étant donné que c'est ANAP là, qui est un cadre légal qui régit, de quel que soit ça, ou t'as qu'à reprocher BESAP, fais-moi confiance, c'est ANAP qui a pris de vrai, lui reconnaître comme institution. Mais comme dans le pouvoir, il te baille ANAP qui a guerrier de seul, il te dit qu'il prend toute disposition, toute mesure pour protéger ou bien pour veiller, pour gérer espace considéré comme air protégé dans le pays. Et dans la disposition, ça y est, puisque tu as gagné un garde environnemental qui était déjà existé, même avant ANAP te vin en direction générale autonome au niveau du ministère de l'Environnement, ils ont récupéré et puis ils ont mis le corps là sous pied qui c'est BESAP qui vient bas aujourd'hui à brigade de sécurité des airs protégés. Mm-hmm. Et dans le document qui est disponible, ils m'invitent mon yo taper Kounia là. Rôle BESAP sous site ministère environnement. Qui ça, yo dit? Guerrier de seul. Yo dit, brigade sécurité des airs protégés, que nous les BESAP là, ils sont direction opérationnelle ANAP en matière de surveillance environnementale, unité air protégée et site écologique dans le pays. Et pour accompagner ANAP dans la mission qui se sauvegarde avec protection de l'environnement, ministère de l'Environnement te mette sous pied en brigade pour surveiller et sécuriser et protéger. Ce que me dit que garde environnemental, question surveillance environnementale, tu es toujours opérationnel dans le ministère de l'Environnement. Peut-être que tu peux corriger les BESAP ou bien appeler les BESAP. C'est à partir du mois de mai 2017, Léo vient créer ANAP. Ou bien, vous venez faire de ANAP en direction générale autonome, et vous venez prendre disposition, et vous mettez quoi sous pied. Mais, guerrier de seul, depuis quelques années, en pile monde a posé question sous évolution BESAP en avril. Et Mbappé Bomanti, gouvernement Sakila, en particulier, à ma connaissance, organisé plusieurs réunions, plusieurs rencontres pour connaître comment BESAP a fonctionné. Notamment pendant le dernier mois, ça y est. Un paquet d'éléments qui liés à la question BESAP qui préoccupait non seulement le pays, mais en particulier le gouvernement haïtien. Par exemple, je dis à ni moi-même qui a parlé là, ni ou même guerrier du seul, ni Adia ni Oximab Saint-Fleur, même gouvernement, pas en mesure pour dire combien de monde qui fait partie de BESAP. De corps ça n'a pas parlé là, que nous avons considéré comme le bras armé de l'ANAP. Jodia Adjani Oximab, la personne pas en mesure dit nous qui sa mécanisme de financement BESAP. Jodia personne pas en mesure dit nous comment BESAP déployé dans le pays. Qui le cas déployé et comment ça fait. Il faut bien garder ces vidéos qui viennent jouer nous sur internet là. Ou après BESAP n'a pas les là qui c'est brigade de sécurité des airs protégés. Il apparemment bien équipé. Bien armé. Machine longue.
armes de guerre. Et presque à travers le pays, je dis à... Oui, mais ça présente. Présente. Que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit dans le Grand Sud. Et depuis quelques temps là, il y a des questions qu'à poser. Et pas seul le gouvernement. Il y a des citoyens tout. Qui a avisé qu'à suivre l'évolution de la pays, il y a qui pose des questions. C'est la question qui est légitime, il y a eu. Puisque n'a pas les deux un corps qui dépend de l'institution, l'État, donc c'est normal que les citoyens posent des questions. Maintenant, c'est à l'État, maintenant, pour fournir les fonctions et les citations. Alors que même l'État n'a pas les là-bas en mesure pour bailler les réponses à aussi bien que l'État pose des questions sous la dos. Donc, il vient de quelque chose. L'État n'a pas même comment monsieur fait des armes. Jamais, mon cher. Il n'a pas de contrôle. Jamais. Mais le problème n'a posé, je dis à la, est-ce que c'est pour un problème que nous devons poser à la base ou bien nous devons résoudre à la base? Mais ça me l'a dit par là. Depuis le même, je t'ai mis quoi sous place, moi pense que c'était de gagner tout mécanisme qui dit mais comment il a recruté les gens, mais comment il a financé quoi, mais qui côté. Il y a besoin de zam pour lui, mais qui qualité zam, yo doué gena men yo, mais qui ça munition yo doué, mais comment il a intervenu, mais qui ça champ d'action yo appuyé. Par contre, vous comprenez, c'est le bagage qui était doué défini préalablement. Qu'est-ce qui paye yo? C'est question ça m'a posé tout. Comment yo paye? Est-ce que yo c'est des employés du ministère de l'environnement? Est-ce que yo sous payroll ministère environnement? Vous comprenez? Oui. Est-ce que ou bien y a un autre budget par contre comme son organisme autonome comment ça fait? Pas dire va exister mais moi-même comme journaliste et me chercher connait pour mon état haut. Me chercher connait, m'pas bon m'dit me chercher connait. Pour résumer pour l'autre, m'pas joindre. M'pas dire va exister tout. D'arrêter c'est officiel il vous dit ça. Mais si maintenant il y a des officiels du gouvernement qui préoccupés au même niveau que moi, donc me venir comprendre que y a un problème. Par contre, je dis à quelqu'un qui t'a posé la question, est-ce qu'au départ, la création de BISAP, n'a mette BISAP campé, pas de motivation qui n'est pas forcément liée à ça, nous tout connaît officiellement, qui était défini la mission à Nabé. Par contre, question m'a posé. Même certains, si tu as gagné un plan bien défini, dans le cadre mis en place corps qui est le BESAP là, je dis à un ensemble de problèmes n'a posé qui t'a pu résoudre dès le départ, guerriers et sœurs. À bas la police là, tout le monde connaît pour rentrer dans la police là, comment ça doit être? Tout le monde connaît budget la police là, qui est-ce qui gère ça? Tout le monde connaît comment la police là configurée. Par contre, vous comprenez. Tout le monde connaît qui sa mission la police là. Formation la police là. Et vous menez enquête sur le monde qui a entré dans la police. Dans la police là. Bon, ensemble d'étapes. Mais quand il n'a pas parlé d'un corps, quand il a recruté un jeune garçon, par contre, il y a un film beaucoup de filles. Ou bien il a recruté un garçon, il a baillé aux âmes. Un, il faut que mon mécanisme pour recruter. Deux, l'un film recruté une formation adéquate pour jeune. Trois, l'un film une formation, il faut un moyen. 4, il faut mettre au super-wall, parce qu'il travail, il a fait son job, il a fait aussi des professionnels. Et puis, il faut qu'il y ait bon contrôle. Par contre, si vous comprenez ça, donc il faut qu'il y ait un règlement qui régit le fonctionnement quoi, pour dire l'homme ne fait tel bagaille, mais qui ça, qui réservé pour lui, s'il viole les principes, etc. Je dis, après de ne pas parler de la guerrier de seul, ni gouvernement, ni en plus l'autre secteur dans le pays, encore moins vieux moi-même, Johnny Ferdinand. Pas qu'on est combien de monde qui n'a pas ça. Et information disponible fait quoi que entre 2017 et 2018, tu as gagné environ plus d'une centaine d'agents. 100 à 200. Mais de 2017 à 2024, jeudi à la.
combien de monde qui n'a pas ça. Qui ça effectif là? Je sais pas. Bah, on est. Mais et pas seul ou pas, comme même gouvernement. Pas connaît. Pas connaît souvent, ouais. Et l'autre bagay qui préoccupe moun encore, dans même dossier Bessap, ça n'a pas parlé là, c'est que en pile moun vin estimer, lè ou considéré pour qui ça a été mette Bessap sous pied, que Bessap jodi a la li soti nan champ d'action qui c'est protection air protégé Bessap prend la rue et gen moun nan gouvernement ka le plus loin pour dire que jodi a Bessap en passe s'il pa gen temps transformer tête li déjà en un groupe armé au service de la politique et c'est là le barre dangereux a. Maintenant, le gouvernement a décidé de révoquer le directeur général ANAPLA. On a parlé de M. Jean-Tel Joseph. C'est lui-même qui est le premier directeur ANAP depuis la direction générale autonome. Nan. Et c'est lui-même qui participait dans le MTBSAP en paix. Bon, il n'y a pas de café, bien entendu, sans accord président. À l'époque-là, on a parlé de président Jovenel Moïse. Puisque c'est lui-même qui était. Prend décision, fait de ANAP en direction générale autonome, mais du coup, nommer Bessap, pas Bessap, nommer Jean-Tel dans cette institution. Donc, si Jean-Tel prend décision, récupérer garde environnemental, fait de lui encore spécialisé dans la question protéger air, dans la question protéger environnement, dans la question gérer air protégé, donc il n'y a pas fait sans président de la République, là, je suppose, il n'y a pas fait tout sans ministre environnement époque là. Je suppose, pas forcément vrai. Mais révocation, Jean-Tel là, est-ce qu'elles sont surprises? Est-ce qu'elles surprennent le pays? Je ne sais pas pour Adjani Oksimab Saint-Fleur. Je ne sais pas pour Guerrier du seul. Mais moi-même, personnellement, révocation, Jean-Tel Joseph, t'es imminente. Je dis ça déjà. Non, intervention, je fais sur radio. Imminente dans le sens que. T'es bon moment, le gouvernement, notamment le ministère de l'Environnement, t'es inconfortable avec Jean-Tel Joseph. Surtout, dans l'époque, t'es une mobilisation sous canal là, dans Wanamet. Tout le monde connaît qui Wall Bessap t'es joué pendant la période ça. Tout le monde connaît comment. Population zone ça et même pays a te sympathisé avec monsieur Bessapio parce que pour eux même la police t'est absent, l'armée t'est absent, c'est seul Bessapin qui t'est répond présent, qui t'est relativement campé en face monsieur soldat Dominique qui fait plusieurs tentatives pour t'est envahir frontière. Et c'est t'est campé là à surveiller travail ouvrir sous canal là matin midi soir. Donc il vient fait que mon yo te prend Bessap, yo levé là l'air. C'est ça me dire les sympathies naturelles. Et le gouvernement arrivé à l'échelle internationale, yo évoqué présence d'hommes armés sous frontière là alors que c'est pas la police, c'est pas l'armée, le gouvernement te gagne du mal. OK? Pour lui expliquer ça. Donc, tu es quand même un petit problème. Et à un certain moment, si vous voulez, il y a de côté où senti ministre environnement, tu es presque dit, Jean-Tel, mandé pour agent Bessapio rétracté sous frontière là. Tu es même un malaise. À quoi passer? Mais quoi, pas bon? Hein? Qu'est-ce que vous avez réussi? Quand nous n'est pas beau, t'es gon malaise, vous voulez, même si vous pas de vous dire entre ministre environnement qui là et Jean-Tel Joseph, t'es gon correspondance qui t'est échangé, t'es gon parole qui t'est dit, t'es gon conversation privée qui t'est faite. Depuis là, ça,
ou senti gouvernement pas trop à l'aise avec Jean-Del Joseph. Si bien que au matin vinn là, moi dit gouvernement m'bral bali en consultation gratis ti chéri. M'dit gouvernement où est question bé sa place, une question qui sensible, une question qui fragile, une question qui complexe, une question qui délicate. Qui vient faire que si n'a pas abordé, nous obligé à aborder là avec un pile sans foi, un pile sérénité. M'dit dit ça là. M'dit dit nous ka penser nous ka résoudre nos problèmes et puis nous créer de l'autre problème qui est beaucoup plus grave. M'dit dit ça là. Moun ki suivent moi religieusement a songé ça. Donc depuis Jean-Tel Joseph t'es dans viseur gouvernement haïtien équipe Ariel Henry. Bon matin m'vin là m'comme décider dans place à Diane, m'ta faire une analyse sur question Guy Philippe là. M'te dit si les déclarations de monsieur Guy Philippe, si les initiatives de monsieur Guy Philippe yo t'a dérangé pouvoir, donc on est dans coup Jean-Tel Joseph doit suivre l'école. Et bien ça a été dans l'ordre des choses possibles, révocation. Donc il vient de faire que les mois après une nouvelle là, lundi soir et hier matin, il n'est pas étonné jusqu'à hier après-midi, il vient de confirmer avec la publication de l'arrêté qui nommait commission de restructuration dans tête à NAP. Et je dis encore, m'a redit gouvernement même bagay là. Si jamais ou ta vle aborder question bisap là, yo obligé aborder la avec sans foi, intelligence, prudence. Parce que encore une fois, yo ka pense y a résoudre problème ou bien y a chercher résoudre problème, c'est l'huile yo mette sous du feu. M'pa un oiseau de mauvaise augure, m'pa un prophète de malheur non plus. Mais m'analyser à partir de données qui disponible au guerrier Dieu seul. Tout à l'heure, on a parlé de l'État qui n'a pas de contrôle BESAP. Or, pas ta doué comme ça, BESAP sont entités dans l'État. Dans ce sens que, ils dépendent de ANAP et ça, ANAP là, c'est en direction générale autonome du ministère de l'Environnement. Donc, c'est l'État. Et puis, il paraît paradoxal que l'État n'a pas de contrôle l'État. Maintenant, avec la révocation du DG, avec la nomination de cette commission de restructuration, est-ce que le gouvernement Ariel Henry a prétendu qu'il a gagné le contrôle ou bien qu'il a repris le contrôle BESAP? Jean-Tel Joseph, vous connaissez combien de temps il fait l'abgérer? Comme ça, ou bien si c'est ça? C'est pratiquement 7 ans. Hein? Donc de 2017 à 2024, ça fait 7 ans. Donc, en 7 ans, lui-même comme directeur général, il participait dans monter quoi ou évoquer un bon matin. Est-ce que vous pensez que les gens qui viennent, comme moi, par contre, qui est-ce? Est-ce que c'est des gens qui ont un rapport à quoi ou bien c'est des gens qui prennent au niveau de l'armée ou au niveau de la police, etc. Ils vont regarder ça. Même douter fort en si peu de temps hein, que vous prenez le cas, vous prenez contrôle ou bien vous prenez contrôle encore. Que Jean-Tel Joseph, avec toute équipe ANAP là, passe pratiquement 7 ans à monter. Par contre, vous comprenez, guerrier des ailes. Est-ce que pouvoir livrer des moyens politiques ou bien moyens tout court pour effectivement arriver à reprendre le contrôle de BESAP n'a pas là? À travers, bien sûr, processus de restructuration ANAP. Question m'a posé, guerrier. T'es campé, hein? Oui. Mm-hmm. Question m'a posé. Depuis le retour de Guy Philippe au pays, Noël n'a jamais raté l'occasion pour l'évoquer BESAP. Il a parlé de sécurité, il a parlé de la police, de l'armée, tout comme il a parlé de BESAP. Il a parlé de l'éventualité pour tout le monde mettre ensemble pour bataille contre gang en dans pays. Il a parlé de BESAP. Partisans et sympathisants Guy Philippe, il n'a pas jamais raté l'occasion pour parler de BESAP. Il nous a recevoir lundi récemment, qui lui-même, c'est un principal dirigeant réveil national, lui-même accentué sous BESAP dans le cadre de révolution, il dit, il a décidé de faire un pays. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire, l'équipe de Guy Philippe
t'as une certaine affinité avec Bessap. Et d'ailleurs, il y a plusieurs monde tout qui ont dans Bessap, qui sont des anciens militaires, qui pas caché sympathie ou gain pour ancien commandant Guy Philippe. Maintenant, est-ce que ça veut dire entre Guy Philippe et Bessap, gagné ou quelconque lien officiellement? Moi, pas qu'on est. Est-ce que ça t'a voulu dire entre Guy Philippe et Bessap un rapport crocodile? Je ne sais pas qu'on est. Mais nous, mais ça qui dit. Mais c'est ça qui information. Directeur général que pouvoir lui-même lui révoquer là, c'est lui-même qui président consortium des partis politiques que Guy Philippe est élu sénateur sous lui en 2016. Et si nous, quoi, monsieur lundi, Maron nous rompre à gagner de seul. Jean-Hilaire lundi. Jean-Hilaire lundi. Mm-hmm. Lydie Guy Philippe, c'est vice-président consortium. C'est-à-dire, c'est deux mondes qui connaissent. Mm-hmm. Donc, Andy Guy Philippe est capable de servir une vraie menace pour ce pouvoir. Et bien, il a décidé de taper à travers l'évocation de DGA. Maron, tu comprends? Mais bon, y a là, est-ce que si c'est pas vrai, Ariel Henry a déjà crié victoire? Bah quoi ça non guerrier des seuls. Parce que Bessap ça n'a pas les guerriers. Il y a un pile monde, il y a un pile zam. Il y a moyen. Bah on côté rejoindre yo. Mais sous garde ça qui vient joindre nous sur internet là, il y a moyen. Donc est-ce que Ariel Henry pensait avec révocation gentel là et puis toute bagarre va finir, il y a pour prendre contrôle Bessap. Et puis il y a c'est à bien compté, mal calculé. Hein. Ou corps qui a grandi dans le niveau ça. D'ailleurs, pendant le dernier moment, ça, notamment dans le sud de l'IA, presque chaque semaine, on a une promotion graduée dans le corps. De plusieurs côtés, là, on dit que formation. Il y a une formation. Oui. On se dit, on a au coteau. Une formation qu'on appelle. Est-ce que la commission ça, l'a bien moyen effectivement pour arriver à remplir la mission et la arrêter là? Par contre, j'aime te dire tout à l'heure, est-ce que Ariel Henry, c'est pas lui qui mettait sous du feu avec l'évocation de DGA ou bien avec cette question de tenter pour contrôler le Bessap à travers ANAP? Par contre, il dit ça. Mais je dis, ah, nous avons toujours posé question sérieuse. Est-ce que Bessap, avec travail commission, ça pourra le retourner dans le champ d'action là, qui s'est arrivé voyager sous espace nous et les airs protégés dans le pays? Est-ce que Bessap pral river surveiller mine côté à exploiter ça ba outrancio? Est-ce que Bessap pral appuyer autorité compétente au niveau de frontière là nan éviter une série de substances capable venir nuire environnement rentrer dans le pays? Est-ce que Bessap pral empêcher que yo mette du feu dans forêt, empêcher yo couper pied bois, etc., qui c'est vraie mission Bessap? Nous pas connait. Est-ce que Bessap pral transformer en un corps paramilitaire qui pral permettre que nous bataille véritablement contre gang yo dans pays là, puisque dans pile nan moun ki nan Bessap jodi a qui occupé des fonctions très importantes au niveau Bessap, c'est une information, c'est des anciens militaires, nous pas connait. Est-ce que Bessap tout capable transformer dans jou k'ap vini yo là en un groupe rebelle et qui t'a décidé by Ariel Henry mon impiété, m'pas connaît. Il n'est que d'attendre les prochains jours, dis-moi le reste.